Yo les potos, les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, aujourd'hui on est sur Fortnite, c'est la saison 3, chapitre 2. Et c'est pour vous montrer un glitch énorme. Peut-être que ça vous pourrait vous aider à trouver des matchs week-end si vous faites tous, bien sûr. Parce qu'en fait, si vous faites pas tous, en fait, j'ai une manipulation qui permet de faire ce match week-end. Par exemple, vous mettez votre map à vous, par exemple. Et personne qui font match week-end, si tu veux rejoindre un match week-end que voilà, votre map par exemple, que s'il y a des personnes par exemple, bah dites-vous, faites genre un pub, en gros, faites ce tuto pour comment faire rejoindre des joueurs dans votre match week-end, par exemple mon match week-end, vous mettez mon code dit match week-end, dès que c'est bon, en fait, après vous lancez le jeu et ensuite vous faites entrer dans le match week-end, et ensuite voilà. Si personne n'ont pas de code créateur, bah ils pourront faire ça. Et ça va sans code créateur. Alors du coup, je vais vous montrer ce glitch. Alors je vais créer une nouvelle map parce que j'ai créé déjà une map comment faire une match viking. Alors je vais appuyer tuto pour les personnes qui veulent savoir comment faut faire ça. Alors moi je vais créer une tuto. La map s'appellera tuto. C'est pour vous montrer comment mettre match viking test sur votre i. Bah en fait par exemple les match viking Yaba de test, c'est pour le extraire. En fait c'est pour prendre ici, tu vois, en fait on va dans la map accueil créatif avec Yogic pour prendre les match viking, et dès que je l'ai pris, et ben en fait on va le ramener à nouveau sur mon île. Voilà, ouais, je sais ça fait compliqué à expliquer, et voilà. Et du coup, pour faire ça, il faut faire un glitch qui s'appelle avoir le téléphone et pour aller n'importe où avec le téléphone. Par exemple, si vous dépassez la zone de votre i, bah vous aurez toujours accès à votre téléphone. Et ensuite, pour le copier, le match viking. Alors pour ça, il faudra aller sur votre i. Alors désolé si j'explique mal. Désolé si je parle vite. Alors déjà, la première étape, il faudra mettre un générateur de brut. Alors brut, c'est robot. Bah. Alors vous devrez mettre un générateur de robot. Voilà, par contre. Voilà, vous mettez un bois, bien sûr. Et ensuite, vous mettez robot. Alors voilà, ça sert à rien de prendre parce qu'en fait, là, on va faire un glitch. Qu'en gros, permet de avoir le robot derrière. En sortant la zone, voilà. Du coup, pour ça, on doit en faire ça, en se mettre en traverse, traverser vent. Pour ça, faut appuyer maintenir L3 si vous n'avez pas changé de touche. Et là, vous mettez construction comme ceci, bien en face du robot. Ah, je vais bien regarder s'il est bien en face du robot. Ok, parce qu'en fait, il faut qu'il soit bien en face du robot pour que ça fonctionne. Ensuite. Là, vous pouvez enlever. Ensuite, d'aller près de la zone. Et ensuite, lancer du bois. Derrière la zone, voilà. Derrière, il est bien derrière. Du coup, vous sautez pour récupérer du bois. Et dépassez pas la zone, par contre. Et là, vous faites du construction pour monter jusqu'en haut. Voilà. Vous montez jusqu'en haut. Il y a ici, voilà. Et ensuite, re-rentrez à nouveau. La map. Votre île. Ensuite, vous allez sur appareil. Et refaire brut. Et là, vous allez juste à côté de la zone pour poser. Et ensuite, aller derrière la zone pour récupérer les générateurs. Ensuite, quand c'est fait, vous reposez la brut ici, derrière la zone. Voilà. Qui est bien derrière la zone. Parce que. Voilà. Il est bien derrière la zone. Alors, du coup, chaque fois, si vous voulez faire ce glitch, en gros, chaque fois, vous devrez refaire. Le gros construction pour Brutus, parce qu'en fait chaque fois quand vous déconnectez, bah en fait les constructions ça, en gros il y a sol, mur, etc. Sol, escalier, pardon, il ne sera pas là. Et le mur il y aura que mur. Du coup il manquera plus juste faire sol, escalier, tu vois. Alors du coup moi je vais remonter. En gros vous allez derrière la zone pour monter sur la brute. Et ensuite dès que ça c'est fait, vous avancez ou... En gros, soit vous accélérez en boostant,
Ou soit vous marchez jusqu'à le brute en face. Alors moi ce que je vais faire, et dès que vous êtes espacé, vous devrez rapidement monter sur la brute. Parce qu'en fait, dès que vous dépasserez en sortant, en rentrant de mon nid, vous rapidement votre robot il se pètera et se pètera. Et ensuite, voilà, vous verrez écran, voilà, écran noir, écran grand. Lancement de la partie quand vous avez remonté sur le robot. Si vous êtes bien sûr pas mort. Et pour enlever, c'est très simple. Vous appuyez L3 pour changer de place, position, pour vous mettre en conducteur. Dès que vous êtes conducteur, vous pouvez descendre et vous êtes invisible. Si vous voulez plus être invisible, c'est très simple. Vous avez mode créatif. Bon, c'est pas obligé d'être plus invisible. Si vous voulez trouver deux mecs, restez bien, restez invisible. Voilà. Bah, du coup, vous équipez ça. En du bois, voilà, et ensuite poser sur vous, voilà, et normalement voilà je suis plus invisible, voilà, et vous verrez que en fait dès qu'on va sortir la zone, et voilà je peux toujours voir et j'ai toujours le téléphone, vous voyez comme par magie j'ai toujours le téléphone et je suis glitché, voilà. Et du coup pour le extraire maintenant, comment extraire maintenant le match weekend jusqu'à votre île? Ça c'est très simple, vous allez d'abord ping votre i. Voilà, vous devrez ping votre i pour repérer où y est votre i. Ensuite, dès qu'il est ping, ne supprimez pas. Et là, vous suivez le rayon jaune pour revenir dans Hack Créatif. Alors, du coup, c'est juste pas loin, du coup, avec vitesse de vol 3, ça va aller vite. Alors je vais pas faire de coupure. Alors dès que vous êtes arrivé dans votre dans l'île de créatif. Ah je crois qu'ils ont patché. Attendez, je vais refaire. Je vais y refaire parce que. Je sais pas ce qu'il y a eu mais. Et si c'est patché, il fallait faire avant. Voilà. Bref, ça c'est pas grave. C'est pas tué parce que j'ai déjà le match weekend. Et pour avoir le match weekend, du coup, si c'est pas tué, il fallait faire avant. Voilà, du coup, je vais y retourner. Allez. Si ça marche pas, ça veut dire qu'il est pas tué. Voilà. Des fois, ça pour ça, je vais trouver un nouveau glitch pour ça parce que. S'il n'y est pas tué, je vais essayer de trouver une nouvelle façon pour faire ça du coup. C'est ça, je sais pas. Ouais. Bah, je trouverai une nouvelle façon pour ce glitch. Là. Bon, en gros, dès que vous êtes arrivé dans la créatif, en gros, vous devrez faire. Vous devrez. Bon, attends, bah, toi, moi, je vais préparer l'autre map pour vous montrer. Et en fait, dès que vous avez, en fait, vous arrivez dans le créatif, vous allez vers le match weekend, en match weekend test. Vous prenez tous les match weekend que ça se trouvera ici. Là, vous faites téléphone L2 pour copier. Ensuite, une touche pour copier. Ensuite, dès que vous avez copié, vous allez jusqu'à votre île. Et ensuite, voilà, vous avez le match weekend test sur votre île. Par exemple, pour ça, je vais faire des maps pour match weekend, etc. Voilà. Je ferai match weekend pour ça. Je ferai une map comme ça. Vous voyez, j'ai déjà eu match weekend. Pour ça, du coup, faut faire avant. S'il est pas tué, mais je vais essayer de trouver une façon. Du coup, dès que chaque fois vous êtes à créer une map, plutôt, je vous avais dit qu'en gros, chaque fois ça se pétait. Pour escalier mur, escalier sol. Pour voilà, du coup, vous devrez refaire escalier sol. Moi, je vais faire parce que je vais essayer de trouver une façon. Je vais faire rapidement. Voilà. C'était quoi déjà? Ah, oui, c'était avec robot. Voilà. Je
vais essayer de trouver la façon du coup pour ma speaking. Parce que en fait, comme c'est patché, c'est pas patché, mais voilà, on va trouver la solution. Ouais, c'est patché. Voilà, en gros, vous devrez trouver je trouverai solution pour ça. Voilà, en gros, c'est pas grave. Voilà, moi, je vous montre comment avoir ma speaking. Et du coup, de toute façon, je ferai une map pour ma speaking. En gros, je mettrai toutes les ma speaking, en gros, en copiant et coller et tout. Pour qu'en gros, vous avez toutes mes maps. Et comme ça. En gros, mes maps, vous pouvez faire match picking. Hein, par exemple, on va mettre, par exemple, je pourrais mettre Propent. Tu vois, des maps Propent, et là, vous pouvez rejoindre n'importe quelle map match Propent, comme vous voulez. Par exemple, je créerai beaucoup de maps Propent pour que je mette des match picking. Et du coup, si vous voulez tuto comment copier une match pour que je vous donne une match picking, alors pas de soucis, je ferai un tutoriel et je ferai un glitch. Je vais essayer de trouver une solution que vous pourrez copier Matchmaking pour vous mettre sur votre map. Alors pour ça, je vais essayer de trouver une solution. Si vous voulez que vous voulez avoir des Matchmaking aussi pour votre code créateur, etc. et tout, par exemple, vous mettez votre Matchmaking test dans votre i et ensuite vous mettez votre map. Parce qu'en fait, par exemple, je vais vous montrer quelque chose. Alors c'est incroyable parce que je pensais pas que ça marcherait et tout, et en fait, si ça marchait. Parce qu'en fait j'ai fait hier le kit et ça marche hier. Et bon, maintenant il marche plus et du coup je vais trouver la solution pour vous. En gros là j'ai copié ma speaking en faisant L2 et ensuite appuyant L2. Voilà. Du coup vous voyez bien que j'ai copié un ma speaking. Et par exemple si je fais ça, et voilà, ça me fait copier ça. Et avec ça, grâce à ma technique, vous pouvez copier carrément, vous pouvez personnaliser votre ma speaking. Par exemple, vous pouvez mettre le code d'i, le code de i, par exemple, qu'ils ont code créateur, par exemple, ma map que j'ai créée à un moment, tu vois. Par exemple, voilà, vous lancez le jeu pour que, voilà, je vous montre bien que ça fonctionne, Matchmaking. Parce qu'en fait, dès que vous avez lancé le jeu, ou n'importe comment, et ben en fait, vous avez accès rentrer dans Matchmaking, par exemple. Alors ma map il devrait pas être dans Matchmaking, tu vois, il devrait pas être. Et du coup je vais entrer dans le Matchmaking. Vous voyez que ça marche. Mais problème, il y a personne dans Matchmaking, du coup ça fait Matchmaking annulé. Alors du coup il y a personne qui connaissent ce glitch qu'ils ont déjà fait. Alors s'il vous plaît, faites une map à moi par exemple Propent, que je mettrai ça dans un tutoriel. Pas tutoriel mais je ferai un tutoriel comment avoir un Matchmaking. Test sur votre i et voilà, du coup j'essaierai de trouver une façon pour faire pour mettre dans un endroit que il devrait pas être là, tu vois, parce qu'en fait je vous explique quelque chose. Par exemple je vais essayer de trouver tu vois, là j'ai personnalisé portable de Matchmaking. Du coup je tape par exemple Matchmaking Attends. Comment ça s'écrit Matchmaking déjà? Ok, Matchmaking. Matchmaking. Ouais, vous voyez que je trouve pas Matchmaking. Je trouve pas. Et je fais portail. Attendez, regardez. Portail. Alors je sais pas si c'est comme ça de Matchmaking par exemple. Vous voyez que je trouve pas. Il y a zéro de. Vous pouvez pas avoir portail Matchmaking comme ça quoi. Parce que de base, c'est que pour un hack de créatif vous pouvez faire qui peuvent avoir ça, mais pas vous. Et du coup ce que je vais faire pour que les personnes qui veulent
J'essaie de trouver une façon pour genre je sais pas trouver pour drop match picking sur votre i, tu vois, pour mettre votre i et tout, comme ça vous pourrez télé rejoindre des maps et tout. Au pire, je trouverai une solution. Par exemple, je vais faire, tu vois, pour je vais faire une map pour uniquement match picking. Par exemple, je vais faire publier une map match picking, par exemple, voilà. Et du coup, en gros, vous rejoignez une map, vous lancez le jeu, en gros vous tapez le code que j'ai créé. En gros, il est publié, tu vois, que j'ai publié une ligne. Vous mettez le code, ensuite voilà, vous rejoignez. Et vous aurez les match picking n'importe laquelle. En gros, il n'y aura pas 5, mais 6 et tout. Je mettrai le temps que j'ai des maps, voilà. Et que ça, vous saurez, pourrez choisir les maps. Et je vous invite d'être très très nombreux pour faire un match picking comme moi. Parce que, en fait, si vous êtes tout seul, par exemple, si moi j'étais tout seul et je veux. Toi, par exemple, je veux rejoindre un match picking que il y a zéro personne dans le match picking, tu vois. Par exemple, je veux rejoindre ma map edit que j'ai créé à un moment, tu vois, à Noé. Par exemple, je vais essayer de rejoindre. Je dis, ouais, ça m'intéresse, c'est intéressant, je vais aller rejoindre, tu vois. Et en fait, ça marchera pas. Parce que il y a zéro personne dans ma match picking. Et si je rejoins celui-là, bah comment il existe match picking là-bas. Et du coup, ça va rejoindre automatiquement, rapidement, quoi. Du coup, là, c'est pareil, ça marchera parce qu'il est là-bas aussi. Et après, bah, etc., etc. Je pense, voilà, vous avez compris. Et du coup, si ça vous intéresse avoir un match picking dans votre île, je ne ferai un tutoriel comment avoir match picking. Toi, un nouveau tuto pour comment avoir match picking, parce que celui-là, du coup, je voulais faire le tutoriel. Et en fait, ça marche pas, du coup. Il marchait plus actuellement. Alors, du coup, voilà, vous avez plein de choses à paramétrer. En gros, vous avez plein de choses à paramétrer. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Renommer. Tout réinitialiser. On va pas tout réinitialiser parce que déjà, de base, c'est impossible à voir, tu vois, le portail de match picking. Alors, si vous voulez que je fasse une map zone war pour match picking, alors dites-moi dans le commentaire, je ferai un. Et ensuite, je lui mettrai dans match picking si vous voulez. Et si vous voulez, dans la map que j'avais créée et tout, je ferai une match picking. Toutes les semaines, il changera, tu vois. Mais pour l'instant, ce sera pas encore disponible parce que j'ai pas beaucoup de maps. Et si vous voulez un match picking, alors toutes mes maps que j'ai créées, et mes potes aussi, et ben bah vous dites-moi dans le commentaire et je ferai une match picking pour ça. Voilà. Passant, j'essayerai pour un match picking prop hunt, cache-cache, qu'est-ce que je pourrais faire? Boss fight, boss fight, en gros plein de choses. Dites-moi dans le commentaire et je ne fais rien. Voilà. Mais je vous invite de partager masse à vos amis à cette technique secrète que j'ai trouvée. Alors, si vous voulez que je ferai une vidéo en avance pour montrer mes vidéos, ma map et tout, ce que je vais rajouter. Et voilà, en gros, je ferai un pay map edit. Je ferai une belle map propense. Je préférerais une bonne map de Zone War ou Butch Fights, etc. Tu vois. Boss fight, etc. Et si vous voyez ça, et bah, je vous invite à vous abonner et peut-être aider à faire ma map. Passant, les match picking, je mettrai ça en sécurité, en endroit sûr que personne ne pourra détruire. Parce que je vais mettre une map que personne ne pourra aller. Comme ça, ce sera sûr 100% que personne ne va s'amuser de détruire. Et voilà. De toute façon, on va se mettre save. Et voilà. Alors, t'inquiétez pas. Du coup, je vous invite à vous abonner. Et dire dans les commentaires qui veulent faire un match weekend avec moi. Tu vois, créer une match weekend. Comme ça, les match weekend, on va mettre, tu vois, un endroit au spawn, quoi. On va mettre au spawn. Et en gros, il y aura plusieurs match weekend qu'en gros, on aura accès. Et grâce à Match Weekend, voilà, on va choisir une map à moi par exemple, en faisant code de la map.
Et après, voilà, vous aurez ma map en durée tout le monde. Par exemple, Propane, tu vois, à la place Protein, de ça, ce sera ma map. Par exemple, ça, on va dire que c'était ma map. En gros, on met entrée de la partie, entrée, tu vois. Et ensuite, voilà, ça marchera. Et si, voilà, si tout le monde fonce sa technique, ou tout le monde lui rejoint ma map que j'ai créée, que voilà, que je vais créer pas longtemps. Et ben voilà, les matchs bikini, il sera actuellement disponible que pour tout le monde. Et du coup, dès qu'ils ont essayeront rejoindre, et ben ça marchera. Parce que les matchs bikini, il sera actuellement disponible pour tout le monde. Bref, du coup, je vous dis. Je ferai un live pour ça, les gars, du coup, vous voyez, pardon. Je ne ferai un live de match picking. Comme ça, je créerai une map. D'abord, je copierai les match picking pour récupérer. Alors, toi, je ferai ça et tout, et ensuite, je vais. Alors, en gros, on fera plusieurs façons, quoi. On essayera plusieurs façons pour match picking. Alors, on trouvera plusieurs façons pour match picking. Et si vous voulez que je fasse tuto pour comment avoir les match picking pour mettre vos tri, alors du coup j'essaierai de trouver une façon. Et dès que je trouverai une façon, je partagerai à tout le monde. Voilà. Alors du coup maintenant, du coup actuellement ce glitch il marche plus. Ça sert à rien de le faire du coup. Mais on trouvera un nouveau solution. On trouvera un nouveau solution, t'inquiète pas. Et bref, alors du coup c'était la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et j'espère que ça vous intéresse à rejoindre mes maps de match picking. Par exemple, si je veux mettre une map match picking, je ferai un escape game, je ferai un uniquement boss fight, je ferai un élément un crop hunt, un élément un cache, tu vois, un cache-cache et un map edit, je pense. Je sais pas si on pourra, mais j'essaierai de faire plein de choses. On verra ça. On verra les personnes qui veulent si ça intéresse. Moi perso ça intéresse que tout le monde il va aller sur ma chemikine en faisant comme ça, cette manipulation. Parce qu'en vrai, c'est manipulation que j'ai trouvé ça incroyable. Que ce serait un peu intéressant parce que toi ça pourrait faire genre tu vois faire de la pub à les joueurs, tu vois, les joueurs si je veux mettre par exemple un joueur qui veut que je mette dans ma chemikine. Et ben voilà, je pourrais le mettre dans ma speaking. Et ça ferait genre un petit pub pour lui, tu vois. Genre, ça fera des pubs des joueurs. Et comme ça, dans ma map, il y aura des match speaking des joueurs qui ont demandé faire des pubs dans ma map. Comme ça, en peut-être 2 3 semaines, je changerai de match speaking. Je sais pas, on verra. On va voir comment je vais faire pour ça. Si tout le monde sont intéressés. Parce que moi en vrai ça m'intéresse, ça pourrait faire des pubs à des joueurs, ça pourrait faire ramener du monde dans sa map et tout. Utiliser son code créateur, etc. Tu vois. En vrai moi je trouve ça cool en vrai, si on peut faire ça. Tu vois. Si on fait ça, ça serait un peu cool, non? Je sais pas. Moi je trouve ça un peu cool quand même pour faire un match picking comme ça. Parce qu'en fait du coup ça fera peut-être de la pub pour le monde qui sont très peu d'abonnés. Par exemple si sont YouTube qui font très peu de vidéos et qu'ils ont que de créateurs, qu'ils ont pas beaucoup d'abonnés et qu'ils sont actifs, bah ça pourrait activer, ça peut attirer mes abonnés et de faire venir sur leur map et découvrir un peu leur map s'il y a du monde. C'est pour ça que je vous dis de partager masse à vos amis. Alors désolé pour le pour un long vidéo parce que voilà c'est dur à expliquer parce que il y a tellement de choses à expliquer, etc. Alors, bref, du coup je vous laisse pour aujourd'hui. Si de toute façon vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser. Voilà, je serai là pour vous aider. Et voilà quoi. Et je ferai beaucoup d'IA sur ma map, qui aura des match picking comme ceci. De toute façon, il y aura beaucoup d'IA, il y aura beaucoup de maps et tout qui seront découverts, etc.
Alors du coup, bref, je vous laisse et à prochaine, les amis. Voilà, à plus.